Alors, il est conseillé de ne pas introduire de coton-tige dans l'oreille parce que ça peut entraîner une pénétration du cérumen et entraîner ça peut boucher l'oreille interne. Alors, on nous demande d'utiliser des bouchons d'oreille. Des bouchons d'oreille, généralement, c'est utilisé pour ceux qui vont en altitude. Des bouchons d'oreille, si pour ceux qui voyagent, ils vont utiliser des bouchons d'oreille qui permettent aussi de protéger. Faire du sport. Beaucoup vont me demander, mais docteur Afanda, mais comment faire le sport pour protéger mes oreilles? Bien sûr, protéger les oreilles, faire le sport participe à protéger les oreilles. Pourquoi? Parce que le running, la marche permet à faire quoi? À la circulation sanguine et ça va permettre à bien irriguer les oreilles. Alors, nous allons essayer de porter des casques, baisser le volume des casques audio ou ceux des écouteurs. Nous avons l'habitude de porter des casques et même on marche avec, et ça résonne plus que notre chanson à la maison. Au fait, il est déconseillé parce que ceci peut entraîner un dommage au niveau du conduit auditif externe et du tympan surtout. Alors, on nous demande et on nous dit qu'il est privilégié de porter des casques audio plutôt que des écouteurs. Alors, si vous avez des écouteurs et que vous avez l'habitude de porter ces écouteurs, je pense qu'aujourd'hui, il est très mieux de favoriser ou de privilégier votre casque audio. On me demande aussi de se protéger des bruits. Mais on va me dire, mais comment se protéger des bruits? Tout simplement en évitant des bruits trop forts, par exemple ceux qui travaillent dans des usines, ceux qui travaillent dans des endroits où des engins font beaucoup de bruit. Vous pouvez porter des bouchons d'oreille, vous pouvez porter aussi des casques qui vont vous protéger du bruit parce que tout ceci peut endommager le tympan. Alors on nous demande aussi de nous protéger du bruit. Ceci, c'est très important parce que généralement quand nous sortons, quand nous allons dans nos différents loisirs, que ce soit dans des boîtes de nuit, que ce soit dans des soirées, que ce soit dans des fêtes, évitons d'être dans un endroit où il y a ce bruit intense, surtout à côté des baffles. C'est pas bon pour le tympan.